Et donc bonjour les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc comme vous pouvez le voir, on se retrouve non pas sur Assassin's Creed Origins, mais plutôt sur Assassin's Creed Odyssey. Et oui, le tout nouveau Assassin's Creed qui vient de sortir, enfin du moins pour les gens qui l'ont précommandé, il est déjà sorti en avance. Et sinon il sort le 5 octobre, donc cet Assassin's Creed qui se base sur... Eh bien, on va dire l'Antiquité, voilà, avec les Spartiates, les Athéniens et tout, les Grecs. Et donc, vous savez vous-même, avec mon let's play sur Spartan Total Warrior, vous savez vous-même que j'adore cette époque. Pour moi, c'est une de mes époques préférées, clairement, avec les Spartiates et tout. Et donc là, le fait qu'on va incarner un assassin et tout dans un univers de Spartiates, pour moi, cet Assassin's Creed, obligé, je devais le prendre. Et donc c'est pour ça que là, ben, j'ai pris la version Ultimate avec le Season Pass et tout. Et donc on va faire une petite aventure dessus. Alors comme dit, ça va être comme pour Origins. Ça veut dire, je vais pas jouer tout dessus. Enfin, je vais pas tout record. Voilà, clairement, je vais pas tout record. Je vais juste record quelques parties par-ci par-là. Et sinon après, je jouerai de mon côté. Hein, voilà, clairement. Et donc c'est parti. On va tout simplement commencer. Là je viens de lancer le jeu, hein. Comme dit, je viens de lancer le jeu, il est tôt le matin, donc je suis un peu crevé, on va pas se mentir. Oh, et je vais devoir télécharger les voix françaises, donc je pense qu'il va y avoir une petite ellipse le temps que je télécharge les voix en français. Ok, c'est bon les gens, du coup j'ai téléchargé le pack français, et donc on va lancer le jeu. Avant ça, on va régler la luminosité. Voilà, là je le vois à peine. C'est parti, du coup, nouvelle partie. Alors, je vais juste baisser un peu la musique, parce que j'ai vu qu'elle était assez forte. Alors. Voilà, juste un tout petit peu, hein, j'ai vu qu'elle était assez forte, mais ça va encore. Donc, ben, allez les gens, on y va, on commence en vidéo ensemble ce Assassin's Creed Odyssey. Et après, ben... je verrai déjà quand je ferai des vidéos ou non, mais voilà quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on commence l'aventure ensemble. Bon roi, nous sommes prêts. Dis-moi, Dianekès, es-tu déjà allé pêcher avec ton fils ? Non, jamais. Je n'ai jamais connu que la vie de soldat. Moi, j'aurais bien aimé aller pêcher avec mon fils. Mais là... un autre sort nous attend. Chaque instant de votre existence vous a conduit à ce moment. Chaque goutte de sang, de sueur, chaque larme, tout cela vous a mené à l'endroit où vous vous tenez maintenant. Les Perses sont venus ici avec la prétention de nous asservir. J'ai une meilleure idée. Prenons-leur quelque chose, leur sang, pour y baigner nos dieux. Qu'en dites-vous, Spartiates? Pour nos fils! Pour nos filles! Et pour Sparte! Voilà, c'est exactement comme dans le film 300. Et franchement, c'est super bien réalisé. Thank you.
What the fuck? Je suis Leonidas. Wouah, c'est bon. Alors ça, c'est les fameuses batailles. Alors je connais pas les touches, hein. J'appuie sur des boutons, mais... Ok, alors attendez. Appuie sur L1 et X. Ok. Waouh. Ah. En tout cas, ça a l'air... Oh. Ça a l'air très très stylé. Allez. Voilà. Meurs, salaud. Putain, nous sommes les Spartiates, les gens. Spartiates. En plus, comme dit, je suis Léonidas. Hein. Il me semble que je suis le grand Léonidas, comme dit. Le roi de Sparte. Voilà. Ouais, toi, tu meurs. Toi aussi. Voilà. Alors, je trouve que le perso, il se déplace très rapidement, par contre. Hein. Genre, quand il fait sa méga attaque, là. Allez. Bon, ça va. Vu qu'apparemment... On a l'air hyper cheaté. On a l'air hyper cheaté apparemment, donc ça va quoi. Ah ok, je dois aller là-bas, merde. En fait, depuis avant je me bats, mais il faut pas que je me batte. Depuis avant je suis en train de faire des carnages, mais... Faut que je rejoigne le point quoi, parce que là mes potes apparemment ils ont besoin d'aide. Mais ouais, c'est... J'apporterai ta tête à Xerxes. Oh, c'est vraiment Xerxes comme... Envoie ses moutons Approche, perce. C'est vraiment comme dans 300. Spartiate insolent. Viens la chercher. Wow. Oh, oh. Et là... Ça, je crois que c'est un putain de clin d'œil à Origins. Clairement. Ce fameux, un combat comme ça dès le début face à un mec, ça fait un petit clin d'œil au début de Origins quoi, où on affronte aussi un mec. Mais voilà, franchement je l'adore hein, clairement, parce que là les mecs. Mon fils, c'est pas mieux que toi. Quand j'en aurai fini avec toi, roi, tous les fils de Sparte deviendront les esclaves de Xerxes. Les fils de Sparte préféreront la mort. J'accorderai cette faveur. Allez. Armée pour te protéger. Alors pourquoi saignes-tu autant? Voilà, mes pouvoirs sont tellement cheatés quoi. Et par contre le coup de poing, enfin le coup de pied, il a abusé. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh la violence. Ah. Et ben voilà. C'est pas fait exprès les gens. C'est pas fait exprès ce que je viens de faire, hein, clairement. Le coup de pied, il a abusé, quoi. Il envoie passer les gens à 10 000 km. Hein. Ça, c'est le seul truc que je trouve vraiment abusé. Trahison, mon roi. Xerxes connaît le chemin contournant la montagne. Ils arrivent. À l'aube, vous serez complètement encerclés. Nous sommes des Spartiates. Et nous le resterons. Spartiates. Ce mot n'aura plus aucune valeur. Quand Xerxes aurait anéanti ta nation. Aujourd'hui est un jour que les Perses ne pourront jamais oublier. Et demain sera un jour dont le monde entier se souviendra. Oh ça oui, ça c'est clair que le monde entier s'en souviendra. Enfin.
C'est du lourd, Layla. Tu crois vraiment que c'est la lance? C'est bien elle. Le livre était juste au-dessus, ou presque. Je n'avais jamais eu autant de chance de ma vie. Bon, démarrons ce truc. Tu crois qu'on peut se fier à cette chose? Je veux dire, ce livre pourrait... Lance-le, Victoria. C'est toi le boss, boss. Je vais te le préparer. Bon alors, il faut que tu saches que depuis ton dernier séjour là-dedans, j'ai fait quelques changements. Difficile de suivre le rythme de la technologie ces temps-ci. Je peux pousser la simulation à la synchronisation sensorielle maximale, si ça te tente. Ok. Donc là, on peut choisir la difficulté. Donc, l'expérience... Alors, attendez. Pour les joueurs se concentrant sur l'histoire ou peu familiers des mécanismes de RPG, l'expérience standard pour les joueurs familiarisés avec les mécanismes. Pour les joueurs à la recherche d'un défi, également experts et mécanismes de RPG. Pour les joueurs qui aiment souffrir, qui réussissent cette épreuve, ce sont de vrais champions. Ok. Ouais, moi je vais aller en normal hein, parce que voilà, j'ai quand même fait Origins du coup. Et d'ailleurs, vous avez vu, hein, c'est la fameuse meuf de Origins. Donc, ouais, c'est parti. C'est pas la peine d'aller trop vite. D'accord. Si tu veux quelque chose d'un peu plus intense, je pourrai toujours modifier les valeurs plus tard. Ça, okay. Ça indiquera le volume d'informations qui te sera transmis pendant ton séjour dans l'Animus. Ça, c'est sympa ça, qu'on peut choisir comme ça la difficulté et tout. Et que, du coup, les personnages ils en parlent. C'est vraiment cool. Alors, mode guidé, l'expérience traditionnelle, les marqueurs sont affichés en permanence et les objectifs de quête vous sont automatiquement transmis. Une approche plus neuve du style de jeu, le joueur doit explorer le monde afin de découvrir les cibles objectifs de quête. Ok, oui, bah oui, on fait ça. Pour moi. Tout va bien. Un peu d'autonomie n'a jamais tué personne. Enfin, je crois. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me le dire. Je pourrai toujours rétablir les circuits. Écoute, Layla, avant que tu y ailles, si ce livre a raison... Cette lance, cette histoire, ça va tout changer. Tu t'appuies sur une source qui est loin d'être fiable. Historien ou pas, ce type a écrit à propos d'objets magiques et de la volonté des dieux. Ce n'est pas Homer. Hérodote a été le premier historien de l'histoire. Alors il y a quand même beaucoup de vrai dans ce texte. Après tout, le meilleur moyen de trouver des artefacts issus, c'est de faire confiance au mec qui a rencontré un descendant. Je sais, mais il faut que tu me fasses confiance. T'as peut-être raison. La lance et le livre sont peut-être des fausses pistes. Mais quelque chose me persuade du contraire. Et je vais pas laisser Abstergo prendre l'avantage. D'accord, d'accord. De toute manière, on n'a pas grand-chose à perdre. Il y a quand même un petit problème. Ah, lequel? Ce manuscrit est dans un sale état. Et je pèse mes mots. L'ADN trouvé sur la lance relève de deux individus distincts. Tu vas devoir choisir quel brin d'ADN tu veux utiliser. Ah oui. Entre, ouais, ah oui. Entre Alexio ou Cassandra, du coup. Eh ben là, bon... Il y en a beaucoup qui prennent la fille parce qu'il n'y a jamais vraiment eu de fille. Bon, si, il y en a déjà eu dans les Assassin's Creed. Mais voilà, quoi, ça change un peu. Mais moi, bah, je vais prendre Alexio, bien entendu. Hein, voilà. Allez, c'est parti. Oui, je vais prendre ce héros. Il nous mettra sur le bon chemin, j'en suis sûr. D'accord, boss. On va pouvoir y aller. Direction l'an moins 431. Le début de la guerre du Péloponnèse. Bonne chance là-bas. Je ne veux pas te mettre la pression, mais on compte tous sur toi. Abstergo n'a aucune chance de gagner cette fois. Si ce bouquin dit la vérité, et si on trouve l'artefact, les assassins auront enfin l'occasion de se relever. Je sais que tu vas y arriver. Oh, et Victoria, lis-le ce livre. Il contient des secrets que je ne pourrais pas trouver toute seule là-dedans. À tes ordres. Ok, c'est parti, du coup on rejoint le monde, du coup, voilà, on rejoint l'Antiquité. Et j'ai hâte de voir, franchement, parce que là déjà rien que le début avec les Spartiates... était tellement jouissif, quoi, parce que voilà, ça représente tellement, ben, le... déjà rien que le film 300 et tout, voilà, l'exercice et tout, ça fait super plaisir de voir ça dans un jeu vidéo, et franchement, ouais, rien que le début, ça a l'air vraiment grave cool, quoi.
descends de là! Le Cyclope a un message pour toi! Dis à ton chef qu'il peut s'asseoir dessus! C'est pas la semaine dernière! Malaga! Ah, j'ai des montes, hein, ouais. Le Cyclope a dit que tu aimais jouer les durs. Alors vas-y, approche. Ouais. Ok, ça c'est un petit tuto. Le savoir, le Cyclope récupère toujours son argent. Ok, donc maintenant vu que dans ce jeu il y a plus de boucliers. Dis-lui de venir en personne. Vu qu'il y a plus de boucliers dans le jeu, on peut se défendre avec ses lames. Comme ça. Voilà, comme ça. Et là du coup. Ah ouais, là maintenant on a plus les capacités qu'on avait hein. Alors là, je dois attendre qu'il me tape. Et voilà, et là je bloque. Et je le tue, nickel. Ok, ça c'est intéressant en tout cas de pouvoir bloquer les coups comme dit. Parce que oui, dans ce jeu, il n'y a plus de boucliers comme sur Origins hein. C'est vraiment, on a que des armes normales. La semaine dernière. Chaque semaine c'est pareil. Sans avoir assez. Ah. Merci de m'avoir prévenu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien, Foyer B. Tout est réglé maintenant. Encore le Cyclope, hein? Il n'a pas encore compris? Faut croire que non. Bah voyons. Sers-toi, je t'en prie. Tu as faim, Icaros? Tu crois que Zeus me ferait cadeau d'un aigle comme il l'a fait pour toi, Alexios? Tu pourrais peut-être lui demander. Eh oui, parce que dans ce Assassin's Creed aussi, on va pouvoir choisir, bon je pense que vous le savez, hein, eux qui étaient au courant du jeu et tout, on va pouvoir choisir vraiment nos réponses pour, à certains moments, et ça va clairement bah, changer, on va dire, une partie de l'histoire, les relations qu'on a avec les gens et tout. Donc encore cette histoire, je demanderai à Zeus. Écoutez, pour l'instant on va être gentil, on n'est pas quelqu'un de méchant, hein, donc je demanderai à Zeus. D'accord, j'essaierai de lui en parler. Enfin. Bon. Qu'est-ce qui t'amène ici? Oh, j'ai failli oublier. Il y a Marcos qui veut te voir. Et qu'est-ce qu'il me veut, cette fouine? Je ne sais pas. Il veut que tu ailles à sa nouvelle maison, dans son vignoble. Attends, un vignoble? Malaga! Il est sur la route de Samy. Il dit que son vin va le rendre très riche. Depuis quand Marcos a-t-il un vignoble? Ou ça sur la route de Samy, je vais aller voir. Vous avez vu, c'est vraiment cool parce que soit on peut encore continuer à parler, soit on peut direct partir quoi. Écoutez, on va aller voir. Hein. Bien. Je crois que je vais lui rendre une petite visite. Merci, Fouibé. Je vais dire à Marcos que tu arrives. Non mais ils sont pas morts les mecs, je les ai battus. Oh, ma tête. Et pourtant j'aurais foutu des coups de lame. Hein. Choix. Oh, vos choix ont des conséquences visibles et invisibles. Réfléchissez bien à certains de vos actes. Donc là on va pouvoir choisir de... Ah ouais, c'est trop stylé. Donc soit on les tue, soit on les dit de dégager. Mais d'un côté, j'ai peur que si on leur dit de dégager, ils vont revenir plus tard pour me casser la gueule quoi. Et d'un côté, si je les tue, j'ai peur que là aussi, ben, ça me revienne sur la gueule plus tard. Écoutez, pour l'instant, on va se dire, c'est le début du jeu et tout, on va pas trop faire la merde. Voilà, on va dire, cassez-vous d'ici, quoi. Dégagez. Et dites au borgne que s'il vous envoie encore ici, je lui arrache l'autre œil pour le donner à mon oiseau. J'irai voir Marcos dès que je serai en tenue. Oh. Ah, j'avoue que là, on ressemble à un putain de paysan. Alors, continuez de bloquer le boost d'expérience.
Ah, en tout cas, regardez-moi ça. C'est pas beau. Bon, il y a certaines textures, j'avais l'impression que c'était un peu bizarre, mais bon, là, sinon, c'est vraiment top. Ok, donc comme dit, le mécanisme pour grimper, c'est bel et bien comme sur Origins. Phoebe a encore dormi ici. La pauvre. Elle n'a pas de maison. Ah, ok, elle a pas de maison. Et on va récupérer Je dois notre... passer ça. Oh oui, un arc et tout. Alors, on va voir ça. Donc le menu. Ok. Donc, comme dit, il y a les différents équipements. Donc, ah oui. Du coup, c'est vrai que maintenant, vu que j'ai pris la version Ultimate, j'ai des équipements en plus, comme vous pouvez le voir. Mais il faut être level 5 pour pouvoir les équiper. Ah, j'ai même une épée aussi, là, vous avez vu. Dégâts 66 et tout. Mais comme dit, ça, ce sera plus tard. Qu'est-ce qu'on a là? Oui, on a arc brisé. Ah ok, il faut que je répare mon arc du coup. On a les quêtes. Ok, bon, on va faire ça comme dit, ouais. Et la carte qui est beaucoup plus grande que celle... Waouh, elle est énorme. Enfin, beaucoup plus grande. Je pense pas qu'elle est beaucoup plus grande, mais elle est plus grande, ça c'est sûr. Elle est plus grande que celle d'Origins. Ah ouais, elle a l'air énorme. Avec clairement, une fois de plus, on voit les niveaux de difficulté dans chaque zone et tout. Enfin bref, ça a l'air vraiment sympathique, hein, comme le premier Assassin's Creed. Hein. Et donc, enfin comme le premier, comme Origins. Et donc là, ouais, effectivement, il y a aussi des points d'interrogation et tout. C'est vraiment, c'est comme, comme Origins, hein, voilà. Même si c'est différent, quoi. Comme dit, beaucoup de gens diraient que c'est un copier-coller d'Origins. Effectivement. Il y a beaucoup de points qui se ressemblent, hein, comme là l'interface avec des points d'interrogation et tout, ou même graphiquement, hein, mais c'est tout de même différent, quoi. Et puis même, Origins, c'est l'Égypte et tout. Là maintenant, on est chez Spartiate, on est à l'Antiquité, et l'Antiquité, c'est de la bombe. Alors, on va juste, ouais, il faut que je m'équipe en fait. Il faut que je m'équipe, mais j'ai pas vu ce que je dois mettre. Alors, parce que là, comme dit, ça, je peux pas, hein. Alors, ouais, là je suis en perdu par en son de menu. Mais ouais, du coup, il faut que je m'équipe de quelque chose, mais je vois pas de quoi il veut s'équiper en fait. Liste de gravure. Ça aussi, ouais, je peux pas encore. Cela, là, ouais, là il me montre clairement tout. Ah! Ah, ok, c'est ça là. Tunique. Ok, c'est bon. On est habillé. Ah, bah non, apparemment pas encore. D'accord, bon, bah. J'ai encore oublié un truc, mais il me semble que j'ai une ceinture, non? J'ai pas une ceinture en plus? Si, voilà, ouais. Voilà. Là, c'est bon, non? Là, je suis prêt. Merci, c'est bon. Alors, pour trouver l'objectif, ouvrir la carte. Alors, localisation. Oui, bon, après, ouais, c'est bon, je connais, comme dit. Donc. Enfin, ouais, j'ai peut-être passé un peu trop vite. Parce que là, du coup, je connais. Voilà, oui, il faut se rapprocher. Hein. Vous avez vu les gens? La carte est vraiment énorme parce que dès qu'on zoome, on voit vraiment la zone et donc on voit vraiment que c'est immense. Donc, où est-ce que je dois aller? Lieu non découvert. Écoutez, on va aller là, hein, parce que je pense que c'est par là, hein, sa baraque là. Trouver Marcos et lui parler. Marcos a acheté un vignoble. Grotte de thé, il se trouve. Ah oui, parce que du coup en fait, ça je crois que c'est le truc que j'ai choisi au début. Au début, j'ai choisi un mode où genre il disait waouh, déjà la faune était beaucoup plus augmentée hein, au niveau des animaux et tout. Mais ouais, au début, il disait est-ce que vous voulez être dirigé ou non? Et moi j'ai dit non parce que il disait ouais Assassin's Creed Odyssey a été conçu pour ce mode. Non. Regardez! Regardez, qu'est-ce que je vous ai dit? C'est les enculés d'avant! Bravo! Je vous épargne et vous me faites ça! Oh putain, les gens, j'aurais dû les tuer! J'aurais dû tellement les tuer! C'est des gros enculés! Mais j'ai jamais vu ça! J'aurais dû les tuer, putain! Mais. Putain, mais. Oh, alors là! Bande de bâtards! Bande de bâtards! Crève! Vous avez vu les gens? Mais qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, vous allez voir, soit je les laisse en vie et après ils vont vouloir me casser la gueule, soit je les tue, mais après je vais avoir des problèmes. Putain de merde quoi.
Bon bah d'accord, hein, super, ça commence bien les gens. On est gentils, on épargne des gens. Et après ils font quoi? Ils essaient de nous buter. J'imagine que c'est le vignoble. Droit devant. Ah bah nickel, vous avez vu les gens, j'ai réussi à trouver sans même... j'ai réussi à trouver, ouais, en me baladant quoi. Et donc là, voilà, vous avez vu, là aussi, c'est comme Origins. Eh bien, on a notre aigle qui est là. C'est là. Voyons dans quel guépier tu t'es fourré cette fois, Marcos. Et donc là, on va aller rejoindre Marcos, apparemment, qui a un vignoble. On va voir un peu ce qu'il a à nous dire. Et je pense qu'on se laissera là pour cette première vidéo. Et donc ce début sur Assassin's Creed Odyssey, qui, comme dit, a l'air juste énorme. Rien que le système par rapport à nos réponses qui ont un impact sur l'histoire, eh ben rien que ça, c'est juste énorme quoi. Et ça change tellement d'Origins. Genre là, on a épargné les mecs et ils veulent nous casser la gueule juste après quoi. Alors, me voilà. Qu'est-ce qu'il a à nous dire avec son vignoble? Non, je te l'ai déjà dit, on peut pas faire ça. Et pourquoi? C'est ma ferme ici, je plante où j'ai envie de planter. Mais les raisins vont mourir! Tous les raisins! Non, non, oublie toutes ces choses dépassées, mon ami. Ensemble, nous allons transformer la fabrication du vin. Quand tu repenseras à cette journée, tu... Alexios, les dieux soient loués! Phoebe t'a trouvé à temps! Je t'ai entendu, tu sais! J'étais malade d'inquiétude. Le Cyclope a envoyé ses hommes à ta recherche. Ils te volent du mal. J'aurais préféré que tu me le dises avant qu'ils me trouvent. Mais c'est pas la question. Tu t'es offert un vignoble, Marcos? Un vignoble? Et pourquoi pas? J'aime le vin, tu aimes le vin, tout le monde aime le vin. Et tout le monde en achète. Pourquoi ils achèteraient pas le mien? Tu ne connais rien au vin, tu vas échouer. Tu vas, je sais pas, moi je ne connais pas le mec de base, donc je sais pas s'il s'y connaît rien au vin, mais bon, je veux... D'après l'autre, je veux dire qu'il s'y connaît rien. Ni cultiver la vigne, ni faire du vin, voilà pourquoi. Oh, mais j'apprends vite! Les grappes, ça pousse sur le sol, et ensuite on fait du jus. Ah, bien sûr. Ah, et c'est tout. Oh, mais tu me connais assez pour savoir que j'ai un plan. Marcos a toujours un plan. Très bien. Dans ce cas, tu as l'argent que tu me dois? Si j'ai l'argent que je te dois? Oh, bien sûr, bien sûr. Enfin, non, pas pour l'instant. Alors, trouve-le maintenant. Au plus vite, mon ami, au plus vite. Mais... tu pourrais peut-être t'en charger toi-même? Il y a un marchand à Samy. Je ne suis pas très doué pour ce genre de choses. Tu veux que je m'occupe de ta dette envers moi? Ton argent t'attend tranquillement à Samy, mon ami. Qui est ce marchand? Duris. Tu le connais, Duris? Il est très gentil. Arrête de prêter de l'argent à Duris. Tu es trop bon avec Duris. Duris? Mais tu es stupide! Arrête de lui prêter de l'argent! Il me rembourse toujours! Oui, seulement quand je le menace. Exactement! Et tout le monde y gagne! Duris obtient de l'argent, je touche mes intérêts, et toi, tu as du travail. Kefalonia est merveilleuse, non? Bah bien sûr! Je vais aider Ramsch. Où est Duris? Comment je dois m'y rendre? Où bon, il est? Où est-ce qu'il est, Duris? Dans une boutique de Samy, au-dessus des quais. Tu connais l'endroit, Alexios? Et il y sera? Tu me prends pour la pitié? Comment veux-tu que je le sache? Putain, mais... il se fout de ma gueule, lui. Comment je dois m'y rendre? Je vais drame. J'espère qu'il a mon argent, Marcos. Ça me plairait pas de vendre ton joli vignoble. Bien sûr que oui! Oh, ensuite, il y aura autre chose dont j'aimerais te parler. Après. Très bien. Mais je prends un cheval. Il fait trop chaud. Et c'est trop loin pour y aller à pied. Mais... prends ça comme des intérêts, Marcos. Tout le monde y gagne, après tout. Bien sûr, mon ami, bien sûr. Je te laisse choisir. Ok, très bien. Donc du coup, là, il nous demande d'aller voir un mec pour récupérer notre fric. Je suis prêt à choisir. Ah oui, ok, on va pouvoir choisir notre cheval. Parle-moi du cheval de gauche, parle-moi du cheval du milieu, parle-moi du cheval de droite. Celui-là de gauche, choisis. Parle-moi de celui-ci. Le Skyros. Tu sais reconnaître une bête robuste, mon ami. Ce cheval aime autant les pentes qu'une chèvre. Ok, lui du milieu. Celui du milieu.
C'est quoi son histoire? Ah! Tu as choisi une beauté, mon ami. Ce cheval vient de Thessalie, une race courageuse. Ok, donc robuste à gauche, courageux au milieu, à droite. Je dois dire que j'aime bien celui de droite. Ah! Le Macédonien! On les élève pour le combat. Un vrai cheval de guerrier. Ah! Je suis prêt à choisir. Hein. Alors, lequel veux-tu? Ah, le cheval de droite, parce que apparemment c'est un combattant et moi j'aime bien combattre donc. Celui-là. À droite. C'est un choix intéressant, mais cette race a quelques travers que tu ne connais peut-être pas. Cela me gênerait que tu prennes un cheval qui ne te convient pas. Comment ça? Ah non, vas-y, tu vas pas me faire douter, va te faire foutre. C'est celui-là hein. que je veux. Tu es sûr? Parce que. Celui-là, Marcos. Eh bien voilà! Tout le monde y gagne! Et surtout toi! Tu as choisi le grand Phobos. Il ne m'a jamais laissé tomber. Phobos. N'oublie pas! Retrouve-moi au temple de Samy quand tu auras. Demandé à Duris ton argent. Ah! Euterpe! Il reste plein de vin à vendre! Ne t'en fais pas! Ce n'est pas le moment. Phoebe a été enlevé. Par qui? Par les hommes du Cyclope. Qui d'autre? Ils l'ont attrapé sur la grande route. Dis-moi où ils sont partis. Du côté de la plage de Timène. La plage? Elle sait nager? Je la retrouverai. Oui, va. Mais n'oublie pas ce bon Duris, Alexios. Hey ok. Bon, bah, changeons de programme. Et c'est bon, on a un cheval, comme dit. On a un cheval, Phobos, il me semble qu'il s'appelle, le cheval. Donc oui, c'est parti. Donc oui, la vidéo risque de durer assez longtemps, vu que c'est la toute première. C'est qui, lui? Je sais pas, on verra après. Là, on va aller sur le point. Parce qu'il faut aller sauver... Comme dit, on va faire ça, on va sauver la fille, là, et ensuite on va se laisser, là, parce que sinon, ça a vraiment duré trop longtemps. Et comme dit, ouais, je fais une grande partie, parce que c'est vraiment le début de l'aventure et tout, en votre compagnie. Et qu'après je jouerai grandement de mon côté, quoi, sans record. Et voilà. Je vais surprendre ces malakes. Ah, ok, c'est parti. Alors, on va descendre ici, je pense, parce que là, on est assez proche, à part si c'est une cinématique. Lâchez-moi! Tais-toi, ou je resserre ces cordes. Le cyclope va en tirer une jolie rançon. Personne ne me rachètera. Tout le monde est pauvre. Tais-toi, Fouibé. Ok, Oui, comment je m'accroupis de nouveau? Ok, c'est rond. Les herbes hautes vont me cacher. Et là, non, ça va être triangle, si je me souviens bien. Oui. Allez. Je ne peux pas laisser s'enfuir le reste de ces malakès. T'inquiète pas, tu as tous ces achevés. On y va. Ok, on peut siffler comme d'habitude. Alors c'est parti. Ah, viens par ici. Eh, je suis un assassin professionnel. Hein. J'ai assassiné tellement de gens dans le désert, je peux pas t'imaginer. Voilà. Attends, à l'autre là-bas. Ah, c'est un peu, c'est la meuf en plus. Vas-y, approche. T'es la dernière sur la liste. Et voilà, bim. Tu crèves. Voilà. Oh, en pleine tête. C'est bon, j'arrive. Ah non, il y a encore celui-là là. Allez, toi aussi, tu crèves. Il est temps. Nickel de faire cette de là. C'est bon. Alexios, je suis là. Même si je sens que c'est pas encore fini, mais bon, c'est bon. Alors, vas-y. Voilà, tu es libre, Phoebe. Tu n'as rien? Je m'attendais à pire. La dernière fois, ils m'ont bâillonné pour que j'arrête de mordre. Phoebe, sois plus prudente. Tu es seule depuis... Depuis quoi? La mort de mes parents? Je ne crains rien. Tu es là pour moi. Et Marcos et moi, nous sommes là pour toi. On est une famille. Je crois pas, non. C'est le mec. Moi, je suis solitaire. Hein. Juste mon cheval et rien d'autre. Bon, du coup, là,
Qu'est-ce qui va se passer encore? C'est bon, ça va être compliqué de s'arrêter si à chaque fois il se passe des trucs. Après, d'un côté, c'est le début, donc c'est aussi un peu normal. Mais voilà, on va juste voir ce qui se passe encore après cet écran blanc et ensuite on se laissera là. Il va falloir faire mieux que ça! Accroche-toi! Tu peux l'avoir! Si! Encore! Debout! Oui, père. Un spartiate se relève toujours dès qu'il est à terre. Prépare-toi! Écarte les pieds. Un soldat sait se tenir. Bien. Bien. Approche. Ça suffit, Nikolaos. Le soleil descend. Il est temps de manger. Tu ne penses pas. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ce soir, on mange la petite Cassandra. Ça va être un beau festin. Non, mais non. Même. Choisis-moi plutôt, j'ai bon goût. Oui, oui, tu es sucré comme le miel. Allez, rentrons. L'agneau va brûler. Tiens, dépose-la dans son lit. Oui, père. Alexios. Tu es ma plus grande fierté. Souviens-t'en. Tu apporteras la gloire à cette famille. Va. T'as, du coup, vous avez vu l'autre personnage, hein, Cassandra, du coup, eh ben, c'était le bébé, quoi. Et donc je pense que quand on prend bah, Cassandra, bah, le bébé c'est Alexios. c'est assez sympa de leur part quoi, d'avoir fait ceci. Et donc là, bah, oui, c'était bel et bien nous, enfants. D'accord. Tu t'en fais beaucoup trop. Et toi, pas assez. Tout ira bien si on veille les uns sur les autres. Tant que j'y pense. Les bandits ont dit que tu étais en danger. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que le cyclope avait mis ta tête à prix. Talos Point de Pierre veut te voir mort. Talos, le mercenaire? Oh, un nom de plus sur ma liste. Trouve-le avant qu'il ne te trouve. On dit qu'il est vraiment méchant. Je saurai rentrer toute seule. Merci, Alexios. T'inquiète, ça fait plaisir. Talos Point de Pierre? Ok. Il manquait plus que lui. Et du coup, maintenant, vous avez vu en bas à droite. Il va falloir que je m'occupe de ça. Il y a des chasseurs qui nous poursuivent. Voilà, c'est ça aussi une des nouvelles fonctionnalités du jeu. C'est que il va y avoir des mercenaires qui vont nous traquer pendant le jeu. Si on fait trop la merde et tout, eh bien il y aura de plus en plus de mercenaires qui vont vouloir nous démonter la gueule. Mais du coup les gens, on va s'arrêter là pour cette première vidéo sur Assassin's Creed Origins. Maintenant je vais continuer le jeu tranquillement de mon côté. Mais voilà, j'espère que vous aurez kiffé. Débuter ce jeu, commencer ce jeu en ma compagnie. Bon, en tout cas, c'était vraiment un plaisir. Et sinon, ben, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Très bonne journée, très bonne soirée. Ciao! この手を